Alors, petit récap de la semaine dernière. Bonjour les internets. Alors déjà, donc les gars, je vais synchroniser ça avec le HoloLens. Le HoloLens, il est à 13h30 pour rappel, et c'est cette semaine, la semaine du HoloLens. Et on a tous des actions pour les devs seniors. Donc j'avais fait une to-do list avec qui devait faire quoi, à quelle date. Moi, je vais plus préparer le HoloLens. Moins de bruit. De toute façon, ça résonne. Alors, il faut qu'on se mette d'accord sur l'organe des clés. Je propose qu'on renomme les gages pour les dédramatiser un peu. Que chacun remette ce qu'il concerne sur la déco. On se mette d'accord la fréquence de la cagnotte. Plus préparer la réunion en étoile. J'ai mis plus être actif sur les achats de la cagnotte. Déco locaux. Ouais. Mettre à disposition un tableau d'expression. On va se mettre d'accord sur la roadmap. Elle est peut-être un peu vieille. Donc renommer le HoloLens. Plus de recherche pour le dev senior. Se fixer des objectifs perso. Est-ce que le numéro 2 et on l'achète, ou est-ce que le numéro 3 on l'achète, est-ce que le numéro 4 on l'achète? C'est-à-dire qu'on achèterait tout jusqu'à soit qu'il n'y ait plus de budget, soit qu'on arrive à économiser. Moi je pense que ça peut être pas mal tous les trimestres. Peut-être que juste quand il y a un truc qui est voté, c'est celui qui l'a proposé qui prend le truc en main. Au trimestre, nouveau bureau, donc peut-être on pensait à une nouvelle roadmap. Pour la cagnotte, on va acheter déjà celle du premier trimestre, plante à Maurice en charge, tableau blanc, je m'en charge, objet connecté, Thibaut tu vois avec un mot, fat boy, c'est si jamais il reste du budget on en achète. Une règle, la cagnotte maintenant c'est tous les trimestres, avec la personne qui a proposé l'idée qui prend en charge l'achat. Pour la roadmap, les sujets des chantiers doivent être concrets, donc c'est à plus court terme, temporalité annuelle, avec un focus sur ce qui se passe, temporalité fine et une mise à jour avec à chaque trimestre. Moi l'autre jour je suis passé chez Castorama, j'ai voulu acheter des bambous, on s'est foutu de ma gueule. Je ne les ai pas achetés. Mais parce que moi en fait j'en sais rien, c'est pas moi qui ai mis des plantes et j'en sais rien des plantes moi.